Et bonjour, donc je vais vous présenter le HTC One XL donc on a annoncé récemment. Donc c'est le premier produit 4G en France. Donc aujourd'hui il sort dans un premier temps avec l'offre Dual Carrière de SFR. Donc voilà le produit. Donc en termes de design, évidemment on est très proche du One X, hein, c'est une déclinaison du One X. La différence principale en termes de design, ça va être le petit logo One XL sur la trappe de la micro SIM. Sinon, on a strictement le même design le même design très réussi d'ailleurs que le One X. Il sera disponible uniquement en blanc et en version donc 32 Go. On retrouve évidemment l'expérience photo hein, qu'on a lancée avec la gamme One. Donc on a 8 mégapixels, ouverture 2.0, donc ce qui se fait mieux aujourd'hui en termes d'expérience photo. Un superbe écran, super LCD 2. L'intégration de Beats Audio, donc toute la proposition One est évidemment offert avec ce produit-là. Donc les particularités du produit ensuite sur les différences, la différence principale évidemment c'est le processeur. On est sur un processeur Qualcomm, donc S4, qui supporte donc la 4G et le dual carrière, et c'est un dual core. Comparé au One X qui est en quad-core Tegra 3 de Nvidia. Voilà, mais on n'a pas de, j'allais dire, évidemment, on n'a pas de dégradation de l'expérience globale sur le produit, évidemment, et même en termes d'autonomie, bien que le produit soit dual carrière et 4G plus tard, on a une autonomie qui est très bonne également. Donc voilà pour le produit. Donc, que va apporter en fait cette capacité justement à faire du dual carrière? On peut faire un petit speed test. Je ne vous garantis pas que le résultat sera tout de suite impressionnant parce qu'il y a du monde aussi qui utilise le réseau. Donc là, on monte à 10 mégas, 10, 11 mégas. Il faut savoir que dans d'autres conditions, on peut monter clairement au-dessus des 20 mégas. Dans l'historique et aujourd'hui. Ce matin, on est monté à 15-16 mégas. Mais voilà à peu près. Donc on a vraiment une meilleure expérience en termes de débit. Et ce que ça va apporter, évidemment, hein, YouTube, on va pouvoir visualiser des vidéos en Full HD de manière beaucoup plus fluide. Ça va démarrer très vite. Donc déjà, première chose, puis je me mets en HD, ça va démarrer très vite. On se rend compte aussi que le téléchargement de la vidéo est très rapide. On va pouvoir se déplacer de manière très, très rapide. YouTube, le lecteur va récupérer hein, la vidéo l'endroit où on place le curseur de manière très rapide. Donc ça aussi, c'est appréciable hein, parce qu'on sait que l'expérience, j'allais dire, originelle là-dessus est pas superbe. Donc voilà, évidemment, hein, on va aussi pouvoir profiter d'SFR TV de manière optimale avec la HD. Hop, je vais le mettre en HD. Donc là, je suis en HD et aussi je vais avoir un zapping très rapide entre les chaînes. Donc voilà, on améliore évidemment cette expérience-là. Là, je ne peux pas vous le démontrer, mais évidemment, l'expérience aussi, tout ce qui est cloud, Dropbox en l'occurrence, va être aussi beaucoup plus fluide. On va accéder à ces photos, à ces vidéos de manière beaucoup plus fluide. On va pouvoir les télécharger évidemment plus rapidement, ce qui va grandement améliorer l'expérience cloud et ce qui va aussi pousser les utilisateurs à utiliser de plus en plus le cloud pour leur stockage. Donc voilà, le One XL. Okay.